Salut Internet, c'est 2. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur 6ix9ine. Alors, Toutou, je pense que ça se prononce. Enfin, ça s'écrit Tutu, mais je pense que ça se prononce Toutou. Extrait de l'album. Comment est-ce qu'il a appelé ça? Tattletales. Je saurais pas ce que ça veut dire. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé après. Connaissant le personnage, en vrai, on sait que c'est. Tous ces titres, c'est à peu près n'importe quoi. C'est toujours un seul mot. Enfin, y a aucun sens en vrai. Après, je dirais, dans son pseudo, déjà, il n'y a aucun sens. Donc, en vrai, enfin, il n'y a aucun sens. Il y a un sens qu'on a déjà tous compris, mais ce que je veux dire, c'est que niveau orthophonique, il n'y a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire en vrai, de vrai. En vrai, vous voyez, non, on voit tous. Alors, 6ix9ine, 6ix9ine, comment parler du personnage depuis le temps? Là, actuellement, donc, il vient de sortir un album, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a. Alors, lorsqu'il était en prison, il avait signé un deal de 10 millions. Donc un contrat de 10 millions où on lui donnait une partie avant les albums et une partie après les albums. Donc là l'idée c'est qu'il est donc ce qui en fait ce qui lui permettait de sortir avec de l'argent parce que en prison il n'avait plus rien parce qu'il avait tout donné au tribunal en tout cas à la justice américaine en espérant que ça puisse l'aider à sortir sous caution en restant chez lui etc etc mais ce qui n'a pas fonctionné au final. Ils avaient même remis son passeport etc ce qui n'a pas marché. Du coup à sa sortie de prison il allait sortir avec absolument rien. Ce qui est compliqué quand tu veux rester en vie parce qu'il faut payer des gens, etc. Si t'as pas d'argent, c'est compliqué. Donc, il a signé un contrat avec une maison de disques. Hein. La maison de disques qui lui a promis 10 millions. Ce qui lui a... Alors, ils lui ont donné une avance, du coup, peut-être 5-6 millions, quelque chose comme ça. Ce qui a fait que déjà, il a pu reprendre une vie de millionnaire. Voilà, de mec riche. Du coup, t'as les moyens de te payer déjà une protection, etc. Maintenant, la chose, c'est que une fois que tu fais ça. Bah après faut vraiment sortir les deux albums du coup. Et ce qui a été signé, c'était un album en anglais, l'autre en espagnol. Donc un exclusivement en anglais avec quelques phrases en espagnol, ça te fait plaisir. L'autre majoritairement espagnol avec quelques phrases en anglais, ça te fait plaisir. Pareil pour les featuring, etc. Donc là, il nous a sorti le premier album du coup, Tattletales, qui est anglais. Donc suite à ça, il va devoir sortir un album espagnol. Maintenant, pour vous dire la vérité, j'ai écouté l'album beaucoup moins bien que son premier album. Après, je dirais, faut pas s'y attendre. Tu sais que t'es recherché, tu sais qu'un jour ou l'autre ils vont t'avoir et que tu vas mourir plus tôt que prévu. Voilà. Donc en vrai, ouais, en vrai, la qualité des albums que tu vas sortir, en vrai, y a pas grand monde qui en a quelque chose à faire, en vrai de vrai. Parce que l'idée, c'est juste que tu sortes des albums. Et toi, de toute façon, t'as ton argent. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, le mec est fou. Let's go. En sachant qu'il arrive à sortir. Oh lolo 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 lolo. Je crois qu'elle a vraiment rien. Elle a vraiment rien. Les gars, ma chaîne est fermée aujourd'hui. Ma chaîne elle va fermer aujourd'hui, les gars, c'est foutu. Mais il est très petit, hein. Stylé son avis, mais la meuf n'a vraiment rien. Ouais, elle a vraiment rien. C'est pas comme si elle avait des trucs qu'ils ont cachés, hein. Elle a rien. Sa coupe de cheveux, elle est très bizarre aussi. Hein. J'ai pas commenté tout de suite, mais. Il est beaucoup plus stylé avec les yeux normaux. Enfin, les cheveux normaux, pardon. Mais il a l'air très petit comme mec, hein. Hey, il fait n'importe quoi dans ses clips, hein. Vraiment, il fait n'importe quoi dans ses clips. Elle, je pense que ça doit être sa meuf, du coup, maintenant. C'est dommage qu'ils aient une lambeau et qu'ils la montrent loin derrière. C'est dommage. Vous voyez, ils ont une lambeau et ils la montrent pas bien, quoi. Genre, elle reste dans le fond, depuis le début du clip. You can't pop like this.
Everybody want my shit. Everybody want my drip. Mais attends, non, mais en vrai, il a pas rétréci. Il m'a l'air encore plus petit qu'avant. Il a pas pu rétrécir, les gars. Après, le pull, il est peut-être pour quelque chose. Mais il a l'air quand même beaucoup plus petit. Et il lui arrivait quoi? Il fait n'importe quoi avec ses cheveux, en vrai. Bon les gars, ma chaîne elle a fermé aujourd'hui, voilà. Je suis désolé, vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu faire, je suis désolé, voilà. Voilà. C'était Loster, prenez soin de vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je peux plus, là ma chaîne elle est foutue. Là. En fait, vous voyez, Sixten il avait sorti un clip où il était avec des femmes, quasiment à poil, en train de montrer des culs dans tous les sens. À ce moment-là, je me suis dit, c'est du 6ix9ine, de toute façon ça fait plaisir de le revoir en vrai, il est stylé, on y va. Deuxième clip. Il nous a fait un clip où il y avait du lait. Là, je voyais le délire. Je me disais, ça fait trop. Ça fait clairement trop. Mais je vois le délire. Il nous a sorti un autre clip où il était encore avec du lait. Je me suis dit, là, mon gars, t'abuses. Faut freiner. Après ça, il nous a sorti un clip qui était Pounani. Où, en fait, c'était monté bizarrement un peu à la va-vite, sans faire exprès, etc. Ça se voit qu'il a perdu son monteur. Enfin, c'est bizarre, mais bon. C'était pas catastrophique, c'était stylé, mais le son était un peu court, et du fait que c'était monté un peu bizarrement, c'était étrange. Mais le son était court, était cool. Et là, on arrive avec ça, où c'est bien, mais le problème, c'est que, enfin... En fait, j'arrive même pas à voir ce qu'il fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il le fait. En vrai... Je sais pas quoi vous dire, hein. Je vois pas ce qu'il fait en fait. Je vois pas ce qu'il fait. Pour moi, il devrait faire mieux que ça. En fait, c'est comme si, là maintenant, il arrivait pas à refaire ce qu'il faisait avant. Et je parle pas en termes de. Parce que forcément, là maintenant, plus personne d'un gang ne va faire de clip avec toi, en se mettant sur le champ avec toi, etc. C'est devenu trop dangereux. Mais je parle que même lui, tout seul, musicalement, j'ai l'impression qu'il arrive plus à refaire les sons d'avant. Après, évidemment, c'est sûr que si là, dans tes sons, tu peux plus insulter les gens. Parce que, en gros, là, pour vous expliquer, ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir son album en anglais, ce qui est fait. Il va sortir son album en espagnol. Une fois qu'il aura récupéré ses 10 millions parce qu'il aura sorti ses deux albums, on va plus le revoir. Et il aura tout perdu. Parce que ça veut dire qu'il sera même plus célèbre. Il aura toujours de l'argent parce qu'avec 10 millions, t'as de l'argent, mais il sera plus célèbre. En sachant qu'il sera toujours recherché jusqu'à la fin de sa vie. Ils vont vouloir le trouver et le tuer. Il aura même pas été gagnant dans le deal, en fait. Donc, autant essayer d'avoir une longue carrière. Et là, tu pars pas bien pour, quoi. Enfin, bref. C'était Loster. On verra bien ce qu'il adviendra de toute façon. Tchuss.